Salut à tous et à toutes, c'est XLouluXXUltra, je suis avec Toto. Oui. Toto, voilà. Salut. Et donc on va déballer son nerf, parce qu'après on fera des vidéos de nerf. Et voilà, donc c'est le... Donc vas-y, je te laisse. Nerf, nitron, un vortex. Voilà, donc c'est parti. Alors, okay. donc on va le déballer, donc pendant que tu déballes, moi tout ce que je vais dire c'est que, bon moi j'aime pas trop les vortex. Enfin, bon, même si les balles elles sont plus faciles à retrouver quand même. Ouais. Oh, mais c'est quand même énorme. Tu vois, t'avais le Recon. Et pour moi, le Recon c'était le meilleur. Mais bon, en fait, il y en a plein d'autres de meilleurs. Ouais. C'est un truc de fou. Alors, hop là. Après, à la fin, bien sûr, il y aura le test où tu vas tirer. Je présume. Ouais. Qu'est-ce que c'est ce merdier? Non, laisse, regarde. Ça fout. Ah, mais c'est bloqué là. Non, parce que tu pousses et ah, ouais, voilà. Ok. Et voilà. Ok, t'en poses par terre que je monte pas trop les murs, on s'en fout. Ok. Ok. Putain, c'est énorme. Alors là, vous avez deux boutons. Un là. Oui, il faut laisser appuyer sur ça pour mettre le mode électrique. Oui, et après tu tires. Bon, ça c'est... Là, voilà, vous normal. Pouvez mettre... Oups, attendez, j'ai oublié. Et une balle qui était restée coincée. Parce que je vous dis, hein, je l'ai sortie et je l'ai utilisée. Après, je l'ai remise. Ah, t'as même tiré. Ouais, bah oui, j'ai essayé. Alors. Ça, si vous n'avez pas ça, vous êtes bien dans la merde pour l'essayer. C'était une balle que j'ai. Hop là. Ah, mais tu peux pas en mettre plus ? Oh, ouais. Non, c'est 20 balles. Alors. Et t'en as combien ? 21, voilà, c'est ça ? Non, c'est une balle que j'ai prise chez moi. Voici la recharge de 20 balles. Voilà, c'est marqué ici. Donc voilà, je te laisse le mettre. Alors là, quand tu appuies sur le bouton, moi j'ai déjà mis des piles. Ça prend 6 piles LR14. Enfin, là, hop. Là, vous avez LR14. Tout ça. 6 piles LR14 et... Pour le viseur, 2 piles LR3. Ah, mais d'ailleurs, le viseur. Quand on parle d'une. Oui. Le voici. Regardez là-dedans. Vous voyez pas trop, hein. Mais si vous appuyez sur ce bouton... Oui. Et ça sert à quoi, en fait? Après, vous rappuyez, ça fait tac, tac, tac. Et vous rappuyez, après, ça fait clair. Et ça sert à quoi, ce viseur? C'est... Ben, c'est un zoom. Ça sert à viser. Et c'est calé, en plus. C'est, alors... Ça fait de la lumière et tout. Là... Donc, on va mettre ça, vas-y. Je peux faire ça, quand même? Oui, vas-y. Alors, ouais, il y a un sens, c'est comme ça? Non, c'est comme ça? Voilà. Vas-y. Non, c'est bon? Non, ouais. Voilà. On va mettre le poignet, tout. Oh là là, c'est un truc de fou. Oh. On met le viseur. Ah oui, et le prix, c'est combien? 80 euros. Droit d'auteur, hein. Hasbro. Attendez, je l'ai mis à l'envers, désolé. C'est pareil, je pense. Comme ça. Non, donc, voilà. On a avec la notice, bien sûr. C'est bon. Avec toutes les parties. Je l'ai mis à l'endroit. Quand vous appuyez sur ce bouton, quand il n'y a pas la recharge, attendez, je vous montre, ça fait pas de bruit, ça marche pas. Et... Donc, faut mettre la recharge. Oui, voilà, faut mettre la recharge. Et là, ça va me tirer dessus, là. Et là, ça marche, normalement. Et si tu appuies sur la cachette, ça tire. Alors, attends, je mets ça pour montrer le test. Alors, attends, on va montrer. Attendez, j'ai pas fini. Là, regardez, il y a un petit bouton. Là, j'appuie, ça marche. Si je coulisse le bouton là, j'appuie. Ah, c'est le mode sans électricité. Pas. Non, c'est pour bloquer les balles. Si jamais t'as pas envie que quelqu'un tire avec et qu'il sait pas qu'il y a ça, il sera là. Ouais, sécurité. Allez, bon, maintenant tu tires pour voir. Voilà. Allez, juste une, enfin, ou allez, deux ou trois. Tu vises la caisse. Putain, on voit rien partir et je prends tout dessus. Ça, c'est bon, arrête, aïe! Oh putain! Et voilà, j'ai tout pris ça dessus, on n'a même pas vu partir les balles. C'est comme si je les avais cachées dès le début. Donc. Par contre, après, c'est un peu plus embêtant pour les remettre parce que, comme les autres chargeurs, attendez, je vais vous en montrer un. Peut-être du temps, je te remets les balles. Non, attends, je ne les remets pas. Voilà. Ouais, c'est le système. Non, regarde. Comme les autres chargeurs où vous pouvez mettre. Vous tenez plusieurs balles et vous appuyez, ça rentre. Bon, après, elles peuvent sortir, hein, sans faire exprès. Ouais, mais c'est pas, plus, tu t'en mets plusieurs à la fois. Or que là, t'es obligé d'appuyer
d'en mettre une seule. Et sur le côté, en plus. Oui. Par contre, les balles ne sortent pas. Ben, comme sur l'autre. Oui, non, mais là, des fois, les balles, elles sortent un peu. Ok. Voilà. Ici, si vous avez une recharge en plus, vous pouvez la mettre là. Hop. Ensuite, vous la sortez. Il n'y en avait qu'une, fournie ? Oui, il n'y en a qu'une fournie de 20 balles. Quoi, il y en a de plus ? Sinon, il y en a de 10 balles qui coûtent dans les 10 euros aussi, justement. Et dans les 20 balles, ça coûte 15 euros. Donc voilà, le vortex nitron, comme vous voulez. Nitron, normalement. Bon, attends, maintenant... Ici, là, vous pouvez accrocher une... Ouais, pour une attacher et que ça revient là, ok. Là, vous avez et une aussi, grosse crosse. Hein. Attends, comment on l'allume ? Ouais, vas-y, c'est comme ça. Voilà, on peut voir... Je sais pas, ouais, avec le téléphone, on voit rien, mais en fait... Attends, je mets mon œil dedans... Putain, ça fait trop mal aux yeux ce laser, c'est n'importe quoi, pourquoi ils ont mis ça? Sinon, voilà, ils sont... laser, ouais, voilà. Donc en fait, ils sont un peu cons, ils nous ont mis un laser qui... Je sais pas, oh, t'es fou. Bon, ben voilà, repose-le par terre, vas-y, pour la dernière... Donc c'était le Nitron Vortex, déballage et démonstration et présentation et tout ce que vous voulez. Et ciao Toto, c'était un dernier truc à dire. Ciao. Ok, ciao.